Hôtep, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle communication intitulée Ngogli Touba, le rocher percé, qui désigne un site sacré pour les peuples Bassa, Bati, Mpo, un site que l'on retrouve actuellement dans le département de la Sanaga-Maritime, la province du littoral au Cameroun. Cette communication est fondée sur le livre Ngogli Touba, Le Rocher Percé, dernièrement paru aux éditions Lulu et actuellement disponible. Elle est également fondée sur le livre Les Caractères Éthiopiens, qui est paru il y a quelques mois aux éditions Lulu et qui est un essai sur les hiéroglyphes égyptiens. Je commencerai cette communication en rappelant finalement à quoi fait référence l'expression Ngogli Touba, traduite par le rocher percé en langue française. Et je citerai donc le professeur Umdigi qui dit la chose suivante. Le trou de ce rocher symbolise pudiquement l'utérus et signifie que la femme est la mère du monde. Le trou de ce rocher symbolise pudiquement l'utérus et signifie que la femme est la mère du monde. Et nous concluons avec lui, donc il fait ici référence à un auteur camerounais qui a également traité ou travaillé sur Ngogli Touba. Et nous concluons avec lui que Ngogli Touba est la désignation euphémique du sexe féminin. Alors je rappelle ensuite que la narrative ou le récit traditionnel Bassa raconte que Nanga, ancêtre éponyme de la plupart des peuples du sud Cameroun, pourchassé par des ennemis, trouva refuge dans cette grotte, à l'entrée de laquelle une araignée tissa sa toile. Les poursuivants, assurés qu'ils n'aient pu pénétrer dans la grotte sans rompre la toile de l'araignée, examinèrent le lieu et se dirent les uns aux autres que Nanga n'avait pu pénétrer à l'intérieur de cette grotte, ce qui sauva la vie de Nanga. Alors, il faut savoir que dans la tradition Bassa, Nanga est le père, si l'on veut, des principaux clans ou des différents clans qui forment le peuple Bassa. Mais pas seulement, car il apparaît également à l'origine d'un certain nombre de peuples qui vivent actuellement au sud Cameroun. Donc il ne s'agit pas seulement de l'ancêtre éponyme du peuple Bassa, mais ce personnage est également à l'origine, d'après les mythes, d'après les traditions, d'un certain nombre de peuples voisins du peuple Bassa. Alors je rappelle maintenant que ce récit, donc associé à l'araignée salvatrice, est présent dans plusieurs traditions, notamment la tradition juive, la tradition chrétienne et la tradition musulmane. Alors je n'ai pas souhaité présenter ici les différentes traditions ou les différents récits qui mettent en scène cette araignée salvatrice et j'ai souhaité me focaliser uniquement sur la dernière tradition abrahamique, donc qui paraît et qui associe finalement cette araignée à l'un des mythes importants de la tradition abrahamique, dont notamment l'islam, en rappelant finalement ce que dit de la Porte en 1874. Il écrit ceci, il dit cependant, les Quraïchites ayant appris l'évasion du prophète de Dieu, donc parlant ici de Mahomet, le prophète de l'islam, en furent consternés. Ils les envoyèrent aussitôt après lui, dans toutes les directions, des gens armés, avec ordre de le ramener. Ces satellites, après avoir battu le pays, s'approchèrent enfin de la caverne. Il se rencontra là, par hasard, un homme qui, les voyant empressés à fouiller dans les coins de la campagne, leur dit: Assurément, il est impossible que celui que vous cherchez se trouve dans cette caverne. Abou Bakr, en entendant ces paroles, donc Abou Bakr c'était le compagnon de Mahomet, donc Abou Bakr, en entendant ces paroles, fut glacé d'effroi. Mais le prophète le rassura par ces mots: Ne craignez rien, Dieu est avec nous. Pendant ce temps-là,
Les coureurs, après avoir fureté dans tous les environs, arrivèrent enfin à l'entrée de la caverne. Comme ils s'apprêtaient à pénétrer dans l'intérieur, ils virent à leurs pieds deux colombes qui avaient fait leur nid et venaient d'y déposer leurs œufs. Ils s'aperçurent aussi qu'une araignée avait tendu sa toile dans toute la largeur du passage. À cette vue, ils jugèrent inutile de pousser leurs recherches de ce côté, se disant les uns aux autres que si quelqu'un était entré dans cette caverne, il aurait nécessairement cassé les œufs des colombes et rompu la toile de l'araignée. Le prophète, ayant entendu leur discours, reconnut que c'était Dieu qui l'avait miraculeusement sauvé par le moyen des colombes et par l'interposition de la toile d'araignée. C'est en mémoire de cet événement que la colombe est regardée comme un oiseau sacré chez les musulmans. Alors naturellement, on observe une correspondance tout à fait curieuse entre le récit traditionnel du peuple Bassa, qui met en scène le personnage nommé Nanga, et ce récit issu de la tradition musulmane, qui met en scène Mahomet et l'araignée salvatrice, à laquelle s'ajoute finalement l'image de la colombe. Et nous verrons tout au long de cette communication les motifs qui permettent d'associer ces deux symboles, à savoir la colombe d'une part et l'araignée d'autre part. Alors, qu'est-ce que Ngok? Hein, le terme Ngok qui forme l'expression Ngok Lituba, Ngok qui est traduit en français par rocher ou pierre. Nous avons traité de ce corpus à travers le papyrus d'Ani, dont ici nous présentons la scène finale qui permettra d'amener au jour finalement ce que représente ou ce que signifie Ngok, hein, de l'expression Ngok Lituba, donc traduit par le rocher. Alors cette scène que je présente ici, c'est la scène finale du papyrus d'Ani. C'est un document qui est daté d'à peu près d'environ 1500 avant l'ère actuelle. Donc il précède, hein, pour être précis, il précède la tradition hébraïque, donc le judaïsme notamment. Il précède bien sûr le christianisme qui vient ensuite, et enfin l'islam. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de traiter de ce corpus à partir du papyrus d'Ani, parce que il est libre de toute influence abrahamique. Et on verra qu'au contraire, c'est cette tradition qui a finalement nourri le judaïsme, l'islam et le christianisme, dès lors qu'il est question notamment d'aborder la question, l'image de l'araignée salvatrice, mais pas seulement, parce que ceci est beaucoup plus vaste, mais nous allons nous limiter pour cette communication à décrire finalement à quoi renvoie l'image de l'araignée salvatrice. Alors sur ce papyrus, ou sur cette scène, la scène finale du papyrus d'Ani, il y a un nombre considérable d'informations. Hein, je le dis ici dans le livre. Je décris en fait tout ce que nous avons sous les yeux et la raison pour laquelle ces choses, ces objets apparaissent ici. Mais avec cette communication, il est impossible. Parce que si on souhaite, j'allais dire, quantifier, si l'on veut le temps qu'on peut consacrer à la description de cette scène, cela ne fera pas moins de 8 heures à peu près. C'est à peu près ce que j'ai estimé. Parce que c'est très dense. Hein. Ça paraît simple comme ça a priori, mais il faut savoir que tout ce que vous avez ici sous les yeux a un sens. Et il faut savoir qu'ici, nous avons affaire à de la très haute philosophie, parce que ces documents ont été produits par les plus grands philosophes du monde. Ces paroles ne sont pas miennes. Je crois que c'est Montesquieu ou Diderot, je ne sais plus lequel, qui le dit une fois dans un de ses textes. Hein, les Égyptiens, vraiment, ils avaient poussé le symbolisme. C'était les maîtres du symbolisme. Donc, quand vous voyez une représentation comme celle-ci, il ne faut pas la simplifier. Il ne faut pas croire que c'est une bande dessinée. Loin de là. C'est de la très haute philosophie. Et je vais tenter d'ailleurs de l'amener ici, hein, en insistant sur certains symboles. Comme je dis, je ne peux pas traiter de cette scène dans son ensemble. C'est très dense, c'est très important, c'est très, il y a tellement d'informations finalement que je risque de ne pas être compris si je me mettais à
dire tout ce que je sais de cette scène. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais insister simplement sur ce qui est évident et qui saute aux yeux déjà. Donc, ici, par exemple, nous voyons donc deux animaux et, hein, qui paraissent sur cette scène. Nous avons un hippopotame et en arrière duquel se tient ou apparaît une vache qui sort du flanc de la montagne. Nous avons des plans de papyrus et nous avons un édifice ici en forme conique, disons. Voilà, c'est ça. Alors, cet hippopotame représente une divinité que l'égyptologie appelle Taoret. Et cette vache qui sort du flanc de la montagne représente une divinité que l'égyptologie appelle Hathor. Mais, vous allez le comprendre au fur et à mesure que je vais faire des développements là-dessus, il faut savoir que ces deux images renvoient à la même réalité. C'est une succession de la même idée, hein, telle que vous voyez ici, parce qu'il faut savoir que c'est une scène. Et cette scène, c'est comme un film en fait que parcourt le défunt. Donc après une scène, il passe à une autre scène. Mais il faut savoir que qu'il s'agisse de Taoret entre guillemets ou d'Hathor entre guillemets, ici nous avons la représentation de la reine du ciel qui va être finalement personnifiée plus tardivement par cette divinité que les Grecs appellent Isis en fait. Voilà. Alors, je vais insister plus avant sur Hathor, puisque c'est elle qui est immédiatement liée à la montagne. Et vous allez comprendre pourquoi ici nous avons affaire à une montagne. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alors, le nom d'Hathor s'écrit de la manière suivante en égyptien pharaonique. Donc, nous avons en fait trois signes qui composent ce nom. Donc, nous avons le signe Osis qui représente un plan d'édifice avec une porte. Nous avons la galette de pain qui est une désinence pour la forme féminine, donc qui indique que ce nom est féminin. Et nous avons ici le visage. Je crois que c'est le signe D2, je crois. Hein? Je cite comme ça de mémoire. De toute façon, je vais le préciser plus loin. Donc, qui représente un visage. Donc, c'est un signe. C'est un nom en fait qui s'écrit avec ces trois signes. Mais il y a plusieurs manières d'écrire le nom d'Hathor aussi. Nous le verrons. Voilà. Et c'est cette divinité qui est représentée ici sous sa forme, en sa forme de vache. Et il faut savoir que Hathor représente la voûte céleste, hein, le ciel, clairement. Elle représente le ciel. C'est la vache du ciel lorsqu'elle est représentée sur quelques autres papyrus. Elle est représentée de cette manière-là. Voilà. Alors, donc nous avons donc ce signe que j'ai déjà présenté à la citade précédente, donc qui représente un plan d'édifice doté d'une porte fortifiée. Et qui est translittéré HW en égyptologie, et qui donne donc le son, si vous voulez, out, qui permet de dire at et or ensuite, donc Hathor. Parce que finalement, ce terme associé donc à la déesse est comment dire, la racine HR qui est lui or est amenée par le visage. Donc, lorsqu'on associe ce visage à ce signe, on va lire Hathor, d'après l'égyptologie. Encore une fois, ça je le dis. Et que l'on traduit par finalement le château d'Horus. C'est comme ça que c'est traduit en égyptologie. Mais comme j'ai l'habitude de dire, moi mon travail consiste à amener les gens à s'émanciper de ces lectures qui sont des barbarismes. Hein. Ça n'a pas de sens opératif. Quoique, bon, on puisse trouver quelques correspondances, mais lorsqu'on dit le château d'Horus, et on pose la question, mais qu'est-ce que représente ce château? Plus personne ne répond, parce que c'est un peu comme ça sorti du chapeau. On ne sait pas exactement à quoi cela renvoie. Mais il faut savoir que Horus représente le monde organisé. Hein, c'est la raison pour laquelle il y a cette relation. Donc, lorsqu'on parle du château d'Horus, nous parlons du monde, tout simplement, du monde organisé, du monde qui nous entoure, de l'univers, de tout ce qui est organisé. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je dis maintenant la chose suivante. L'égyptien pharaonique Ut ou HW, avec un T qui est la désinence pour la forme féminine amenée par la galette de pain, correspond notamment à l'arabe yéménite Awa, qui signifie entouré. Le Poulard propose Ao, donc qui est une traduction littérale de l'égyptien pharaonique Ao ou HW, si vous voulez, qui signifie dresser une haie autour d'eux, encercler, entourer. Le Nanadhamma, qui est l'un des dialectes dogon, dira Gawa, tour, donc la tour, okay, qui procède de la même racine.
Et soit dit en passant, ici je le souligne, c'est à partir de formes telles que l'arabe yéménite, Hawa, que l'hébreu a formé Hawa, qui devient Ève en français, la mère du monde, suivant la tradition hébraïque. Donc, ceci permet déjà de rejoindre l'idée amenée par Umdigi au départ, à savoir que Ngob Lituba, et vous allez le comprendre, je ne fais ici qu'introduire le sujet, est une évocation euphémique hein, de l'utérus, hein, de la femme, si vous voulez, qui est la mère du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons ces correspondances. Parce que Hawa, qui en arabe yéménite signifie entouré, correspond à l'hébreu Hawa, qui va donner Ève en français, donc la mère du monde d'après la tradition hébraïque. Donc il s'agit naturellement d'une image d'Hathor, qui est la reine du ciel. Parce qu'il faut savoir que Hathor est le prototype de ce qu'on appelle les déesses séléniques, c'est-à-dire les déesses qui incarnent la lune. Et elle précède même Isis dans la chronologie historique, puisqu'elle apparaît déjà avec la fameuse palette de Narmer. C'est elle qui apparaît sur cette. Donc elle est très ancienne, c'est une image très ancienne. Et c'est la raison pour laquelle elle constitue en fait le prototype de toutes les déesses helléniques, hein, depuis les déesses éthiopiennes jusqu'aux déesses grecques, hein, qu'il s'agisse d'Athéna. D'ailleurs, on le verra, si on a le temps, je vais peut-être faire une digression là-dessus, mais ce n'est pas le sujet, mais il faut le savoir. Dans le livre, ceci est clair, je le présente et c'est bien clairement présenté. Donc, le poulard Ao, entouré, devient Go, mur autour d'une cour. En Togokan. Le Togokan, c'est la langue principale des Dogons, si vous voulez. Lecture de l'égyptien pharaonique HW. Donc je reprends ici, c'est très important, vous allez comprendre comment les choses se mettent en place. Le poulard Ao, entouré, devient Go, mur autour d'une cour, en Togokan. Parce que naturellement, il y a une évolution entre le H et le G au sein des langues éthiopiennes. Okay, le H se réalise en G. C'est pour cette raison que le poulard va dire Ao, entouré, et que le Togokan va dire Go, mur autour d'une cour. Ce mur, naturellement, rend compte de l'idée d'entourer. Okay? Lecture de l'égyptien pharaonique HW. Le Togokan Go, qui désigne un mur autour d'une cour, trouve des variantes dans la même langue. Donc, en Togokan, le terme Go a des variantes au sein de cette langue. Donc nous avons notamment ici gono, parc d'animaux dans un village, gono, clôture de jardin, gono-gonio, construire une clôture, gono-gonio, construire une clôture, donc enclos pour animaux, go-ujo, construire un mur. Donc les signes au 6 et au 7 qui représentent le château d'après la recension égyptologique, donc ces signes, en fait, aussi, quand je dis aussi, c'est au 7, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est d'après hein, la classification de Gardiner. Okay, il faut le savoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne sont pas familiers hein, des hiéroglyphes, il faut savoir qu'ils sont classés d'après une classification qui a été établie par Alan Gardiner, qui était un égyptologue britannique. Donc, les signes au 6 et au 7 de la classification des Gardiner, translittérés HW et traduisant château, correspondent au Nyambo, qui est une langue de la cuvette éthiopienne, la cuvette congolaise, go, qui signifie mur. Okay? Donc, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous ouvrez un ouvrage d'égyptologie, ou de linguistique, pardon, on va vous dire que les langues du domaine soudanais ne sont pas les mêmes que les langues du domaine dit bantou, qu'il y a comme ça des différences, hein, entre guillemets. Mais lorsque vous approchez ces langues du point de vue hein, des hiéroglyphes, vous vous rendez compte que c'est la même langue, puisque nous rencontrons chez les Dogons, donc peuple du Mali, Go, mur autour d'une cour, et nous rencontrons en Nyambo, langue parlée dans la cuvette congolaise, donc dans un domaine dit bantou, Go, qui signifie mur. Donc c'est la même langue en réalité que nous parlons, et ce sont les hiéroglyphes en fait qui permettent de soutenir cette démarche parce que cette écriture a vocation à rendre compte du parler de tous les peuples qui vivent actuellement en Afrique au sud du Sahara. Ça, il faut le savoir. C'est ça la force des hiéroglyphes. Donc, je poursuis en disant que la lune se dit
Ngono, au sein des langues éthiopiennes, une variante phonétique du Togo-Kan Gono, clôture, mur. Le thème décrit par les signes au 6 et au 7 qui forment le nom de la reine du ciel. Donc c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Hathor devient le prototype des déesses séléniques, c'est-à-dire des déesses qui incarnent finalement l'astre lunaire. C'est cela. Donc voilà la relation déjà qui apparaît à travers un simple jeu d'homonymie. Car j'ai l'habitude de le dire, et si je le répète encore une fois, il faut savoir que le système hiéroglyphique est fondé sur la notion d'homonymie. Et ici, je présente donc les mots de la lune au sein des langues éthiopiennes. Il faut savoir que ce ne sont que des variantes, hein, des variantes de Ngono. C'est ça. Donc ici, nous avons par exemple le Bulungon, la lune, le Fangon, la lune, le Kongo, le Kikongo, Ngondi, la lune, etc. Le Mbingi, Ngondo, la lune, etc. Donc ce n'est qu'un même terme qui ici trouve des variantes. C'est le même terme. La racine est la même et qui renvoie aussi à l'idée de mur, de château, donc de tour. Parce que ces termes sont amenés par les signes au 6 et au 7 de la classification des gardiens qui entrent dans le nom de cette déesse que l'égyptologie appelle Hathor. Bon. Ici, je précise quelque chose d'intéressant, c'est qu'en Kikongo, vous avez donc Ngondi, la lune, en Bassa, vous avez Kondji, la vierge. C'est le terme que le Bassa utilise pour désigner la vierge. En Bassa, vous avez, et c'est une variante de Ngondi, soit dit en passant, hein, ce n'est qu'une évolution du G vers le K et du D vers le J. Ceci est courant au sein des langues éthiopiennes. C'est pour cette raison que je ne prends plus la peine de le préciser, parce que pour ceux qui sont habitués un peu aux communications que j'ai pu faire par le passé et à mes travaux, à travers les livres notamment, je présente cette correspondance. Donc à chaque fois, je ne vais pas à chaque fois dire c'est un passage, c'est évident. Donc bon, c'est pour cette raison que parfois, je n'insiste plus parce que je me dis que ceci est compris. Voilà. Donc, le Kikongo va dire Ngondi, la lune. Le Bassa va dire Kondji, la vierge. Le Bassa va dire Konda, le siège. Et vous avez vu que Ngonda, c'est le nom de la lune dans certaines autres langues, notamment aussi dans le domaine Congo. OK? Donc, les langues congolaises. Donc, en Bassa, Konda, c'est le siège. Et le siège, c'est l'emblème d'Isis. Donc, vous voyez comment arrive finalement les symboles qui permettent toujours de caractériser la reine du ciel. En Bassa, nous avons également Ngonda, qui veut dire la jeune fille. Mais en Bassa, nous avons aussi Ngo, qui veut dire la fille d'un tel, qui est un diminutif de Ngonda. OK? Et en Boshi, nous avons Ngo, la mère. En Boshi, nous avons Ngoko, la mère. Donc, dans la même langue, Ngo, c'est une variante de Ngoko. Dans la même langue, en Boshi, qui est la langue du professeur Obenga, soit dit en passant. Et qui est donc une langue parlée dans la cuvette congolaise. Donc, le Mboshi va dire Ngo, la mer. Le Mboshi va dire Ngoko, la mer. Or, en Douala, Ngoko, c'est la pierre, c'est le rocher. En Bassa, Ngok, qui est une variante de Ngoko, c'est la pierre, c'est le rocher. Donc, par un simple jeu d'homonymie, on arrive finalement à découvrir finalement à quoi renvoie ce fameux Ngok, hein, qu'on associe à Lituba pour dire le rocher percé. Donc, Ngok, c'est la vierge, et ceci est en. Et ceci est cohérent finalement avec l'idée que les Bassas se font hein, de ce lieu sacré, puisqu'il représente effectivement la Vierge, puisqu'il représente effectivement l'utérus, la mère du monde. C'est cohérent. Bon. Maintenant, il existe une autre manière d'écrire le nom d'Hathor. Hein. On représente parfois ce nom donc avec un faucon qui se trouve à l'intérieur du plan d'édifice à portes fortifiées. Comme je le présente ici. Et comment savoir, comment lire cette graphie? Hein? Les égyptologues vous diront Hathor, mais aucun Éthiopien ne comprendra ce que cela signifie. Hathor, qu'est-ce que cela signifie? Point d'interrogation. Mais il faut savoir que l'objet représenté a un nom au sein des langues éthiopiennes. Notamment ici, il s'agit du faucon. Le faucon en lingala se dit Ngondo, qui est une variante de Ngondo, qui veut dire la lune dans les langues éthiopiennes. Comprenez? Donc, le lingala va dire Ngondo, faucon. Le Swahili va dire Kondé, la pierre. Parce que Ngondo et Ngondé, Kondé, c'est le même mot. Et d'ailleurs, ici, j'ai fait une parenthèse pour indiquer que dans le Mandé, on trouve les mêmes correspondances, puisque la mère de Sundiata, hein, le sauveur du Mandé, s'appelle Sogolon Kondé. Ce Kondé-là, c'est Ngondo dans les langues éthiopiennes, donc de la cuvette éthiopienne, qui renvoie à la lune. Donc, Sogolon Kondé,
Ici, je ne veux pas parler de Sundiata parce que ce n'est pas le sujet. C'est Isis elle-même. Il faut le savoir. C'est très important. C'est Isis elle-même. Puisque Ségolène Kondé est appelée la femme buffle et que le buffle se nomme Sigi en Bambara, notamment, donc dans la région du Mali. Et Sigi en Bambara désigne également, signifie également s'asseoir. Et le siège, c'est le symbole d'Isis. Donc il faut savoir qu'il y a des liens qui sont comme ça, évidents dès lors qu'on aborde le système hiérographique ou l'écriture hiéroglyphique avec le bon paradigme. Et qu'on cesse de faire du barbarisme, de croire que l'alphabétisme est l'enjeu. Ce n'est pas l'alphabétisme qui est l'enjeu au sein de l'écriture hiéroglyphique. Il faut décrire les objets tels qu'on les voit. Ils ont des noms et ces noms renvoient à des concepts. Et ce sont ces concepts qui soutiennent la philosophie. Car ici, il s'agit naturellement d'une production philosophique. Ce n'est pas simplement du verbiage. Pour faire beau, non, ce n'est pas ça, c'est de la philosophie. Donc, pour connaître, pour savoir à quoi renvoie un signe, un symbole, il faut connaître le nom de l'objet représenté au sein des langues éthiopiennes. J'en parle dans le livre Les caractères éthiopiens, la manière dont il faut aborder finalement les hiéroglyphes. Okay? Ce sont des idéogrammes qui renvoient donc à des idées, à des concepts. Donc, le proto-bantou va dire Kondé, donc la toile d'araignée. Et le Tchiluba va dire, donc c'est une variante Kondo, la toile d'araignée. Donc on comprend maintenant pourquoi le récit traditionnel lié à Ngogli Touba amène l'image de la toile d'araignée qui finalement sauvera la vie de Nanga. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Nanga non plus, car ce n'est pas le sujet. Comme j'ai dit, c'est très dense, puisque c'est lui le personnage principal, c'est lui qui est en mouvement, en fait. Dans les scènes qui se succèdent, même au sein du papyrus d'Ani. Il faut savoir que Ani ici représente Nanga. Ça, c'est clair. Mais je ne veux pas parler de cet aspect, sinon ça va étendre la communication. Moi, j'ai envie d'être court, en tout cas, si possible, parce que c'est parfois très difficile, avec ces corpus, c'est parfois très difficile de faire court parce que c'est des choses nouvelles pour beaucoup de personnes. Donc parfois, on se sent obligé d'amener des précisions pour ne pas perdre le monde. Voilà. Donc c'est ça. Alors en Tchiluba, on va dire qu'on de la toile d'araignée. Donc la toile d'araignée, là, les mots de la toile d'araignée, c'est les mots de la lune. Et la lune, c'est l'araignée salvatrice. Vous comprenez? Donc la lune, finalement, c'est la Vierge. Donc c'est la raison pour laquelle la toile d'araignée en Ngogli Touba représente l'hymen. Donc la Vierge. Ceci est clair du simple fait des mots qui sont associés à la reine du ciel, donc à Hathor. C'est clair, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire du yoga intellectuel pour arriver à des évidences. Il suffit de connaître les mots et ça vient tout naturellement. Tout naturellement, on ne force pas les choses, ou en tout cas on n'a pas le sentiment de forcer. Parce que les choses simples, c'est dans les choses simples que se trouve la vérité. Quand ça devient trop compliqué, c'est qu'il y a forcing. Et le forcing, ce n'est pas nécessairement la vérité qu'on cherche en faisant du forcing. Non, il faut que les choses soient simples. Et la simplicité, là, en tout cas apparente, parce que c'est simple en apparence, c'est cela que recherche le philosophe qui veut être compris. C'est cela. Donc, je reprends. Une autre manière d'écrire le nom de la reine du ciel, ici présente, donc à tort, c'est en représentant le faucon encadré dans le plan d'édifice doté d'une porte fortifiée. Bon. Le faucon se dit Ngondo en Lingala, qui est une variante de Ngondo qui désigne la lune. Donc, en réalité, lorsque nos ancêtres considéraient cette image, ils savaient qu'ils étaient en train de considérer le nom de la lune. C'est ça. Et nous avons donc des variantes avec Kondé, la pierre, le rocher en swahili. Donc, toujours Ngok, finalement. Et le proto-bantou va dire Ngondé, la toile d'araignée. Donc, le Tchiluba a introduit une variante avec Kondo, la toile d'araignée. Bon. Voici à nouveau donc cette scène finale du papyrus d'Ani. Et nous allons maintenant présenter ou survoler, si vous voulez, la figure de cette divinité que l'égyptologie appelle Taouret. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dense. Et très honnêtement, en préparant cette communication, je ne savais même pas par quel bout commencer. C'est pour ça que moi, j'invite généralement les gens à lire le livre, parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a un développement qui est cohérent, et on comprend comment les choses arrivent. Parce que c'est quelque chose de très, je sais, c'est très important, mais comment rendre ce sentiment, c'est parfois difficile lorsqu'on prend les choses comme ça de but en blanc. Il faut parfois amener les choses. Mais ici, je n'ai pas le temps, parce que je ne peux pas m'étendre. Donc,
Cette divinité qu'on appelle Taoret est représentée par cet hippopotame que vous voyez qui tient ici un flambeau. Bon. Les noms de l'hippopotame, les voici au sein des langues éthiopiennes. C'est le même terme qui est chaque fois amené par des variantes. Donc, le Bassa va dire Ngoubi, hippopotame. Le Poula va dire Ngabou, hippopotame. Chilubangouvou, hippopotame, etc., etc., etc. C'est le même terme. OK? La raison pour laquelle j'ai simplement souligné le Poula Ngabou, c'est pour aller vite, en fait. C'est parce qu'il faut savoir que dans le domaine Maningoumba, au Cameroun, au littoral, pour dire l'araignée, on va dire Ngabo, c'est l'araignée. Donc c'est le nom de l'hippopotame aussi. Il faut le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle on a cette correspondance. Donc quand on dit ici l'araignée, quand on considère le Papyrus d'Ani, le Papyrus d'Ani, on ne voit l'araignée nulle part. Pourtant, elle est omniprésente. Parce que c'est l'image même de la reine du ciel. OK? C'est ça en fait qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si vous cherchez l'araignée en Égypte pharaonique, vous ne la verrez nulle part telle qu'elle. Mais elle est partout en réalité, parce qu'il faut connaître les mots des objets représentés pour savoir à quoi nos ancêtres en fait font référence. Donc ici, vous avez le poular qui va dire Ngabou, donc l'hippopotame. Et dans le domaine Maningoupa, au Cameroun, on va dire Ngabou, c'est l'araignée. Et le Mukulu, donc une langue du Tchad, donc dite soudanaise, va dire Tewere, la toile d'araignée. Tewere, là, c'est ce que l'égyptologie dit Taoret. Ils lisent Taoret, cette graphie. Taoret, pourtant Taoret, bon, ça ne veut rien dire, hein, c'est une convention. Le mot même, c'est Tewere, qui veut dire la toile d'araignée. Donc, cette divinité, entre guillemets, que l'on trouve ici représentée, incarne en fait la toile d'araignée, mais pas seulement. Mais je présente simplement ici cet aspect pour aller vite, parce que dans le livre, je présente les autres aspects de la divinité en question et comment est-ce qu'il faut la considérer, qu'est-ce qu'elle représente et les symboles qui l'accompagnent aussi, qu'est-ce qu'ils représentent en fait. Donc c'est ça. Ici, je fais ça, je fais cette relation parce qu'elle est évidente et ça me permet d'aller assez vite. Donc en Mukulu, langue du Tchad, on va dire Tewere, la toile d'araignée, qui est cette lecture, la lecture finalement de la graphie Lutaoret en égyptien, en égyptologie. Voilà. Donc ici, je présente donc trois images, comme vous le voyez ici, donc Taoret ou Tewere, peu importe, en tout cas cette divinité représentée par un hippopotame. Je présente la graphie qui est donc le nom de la déesse Hathor et finalement Horus lui-même qui est incarné par, comme vous le savez, un faucon. Et je dis la chose suivante. Le Bassa propose Konda, siège. Le Mka, langue du domaine Maningouba, dira Konja. Liberté, qui est une variante du Bassa Konda. Okay? Le Bassa va dire Kunde, la liberté, qui est une variante du Mka Konja. C'est le même terme qui ne fait que varier en réalité. La racine est toujours la même. Ça, il faut le savoir parce que la racine consonantique est toujours la même. Le faucon se nomme Kore en Oromo, donc langue du domaine éthiopique. Le faucon est le rapace consacré à Hathor. Le Fang dira Kore, sauvé, délivré, qui s'inscrit donc dans le registre de la liberté. Le Fang dira Nkore, celui qui délivre, le sauveur, des notions associées au thème de la liberté. Taoret est le prototype qui fonde le thème de la statue de la liberté. Pourquoi? Parce qu'elle tient ici un flambeau. Il faut savoir, ça aussi je le dis très rapidement en passant, que cette Égyptienne éclairant le monde qui a été dessinée par Auguste Bartholdi, et qui va devenir finalement la statue de la liberté qu'on trouve aujourd'hui aux États-Unis, à New York. L'inspiration est sortie des considérations que vous avez ici sous les yeux. Okay? Parce que la notion de liberté est immédiatement associée à la personne même d'Isis, hein, et à son fils qui est Horus. Parce qu'il y a une particularité en Égypte pharaonique, c'est que Hathor, par exemple, qui est aussi Isis, mais bon, je crois que vous m'avez compris, parce que je donne des noms, mais en réalité, sachez que c'est la reine du ciel, c'est la Vierge. Ok? Son nom s'écrit avec le faucon, mais son fils aussi est incarné par un faucon. Donc, quand je vais dire Koré, ou Koré pour dire faucon, et que je dis enfant Koré, celui qui délivre, le sauveur, je suis en train de parler ici d'Horus, mais de sa mère également, parce qu'elle aussi, elle sauve. Il faut savoir, parce que c'est la Vierge. Bien entendu. Donc, j'ai simplement voulu présenter ici cet aspect, parce que c'est important, je n'insiste pas trop, parce que cet aspect, ce sont ces considérations qui vont donner naissance à la fameuse sortie d'Égypte, hein, cette liberté acquise par des prétendus esclaves, donc en Égypte. Ça, il faut le savoir. C'est comme ça, parce que c'est un corpus qui est associé à l'initiation en Éthiopie, hein, le thème de la liberté. Dans le livre La philosophie égyptienne du Christ, je le présente.
Hein, je dis que, enfin, je présente les motifs qui donnent naissance finalement à cette fameuse sortie d'Égypte et à Moïse finalement qui va conduire le peuple. Moïse, c'est le défunt, il représente le défunt. Hein, il est en fuite pour chasser par les soldats de Pharaon, entre guillemets. Mais c'est ceux-là même qui poursuivent Nanga, hein, qui va finir dans la fameuse grotte. Il faut savoir que tout ça est lié. Je n'insiste pas trop, vous lirez le livre, vous comprendrez. Mais je voulais simplement amener les choses pour dire que encore aujourd'hui, ceci est représenté. Hein, et les Grecs ont abusé même de ces représentations. Il faut savoir que, par exemple, la statue de la liberté représente Hécate qui est une déesse hellénique. Elle représente aussi Cybèle, qui est une déesse hellénique. Donc bref, c'est des choses que nous avons compris et nous connaissons finalement l'origine de ces représentations fondées à partir des hiéroglyphes que vous avez ici sous les yeux. Car ici, nous sommes à moins 1500 ou à 1500 avant l'ère actuelle. Donc, il n'y avait pas encore de. La Grèce n'existait pas dans l'histoire à cette époque. Il faut le savoir. La Grèce n'existait pas à cette époque. Donc, le judaïsme, le christianisme, l'islam non plus. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est l'exégèse musulmane qui a produit le thème de l'araignée salvatrice. C'est une imposture. Ce qui le prétend est clairement dans l'imposture. Et ce n'est pas faire du tort que de le dire, c'est la vérité simplement qu'il s'agit de rappeler. Nous ne sommes pas dans une démarche de frustration, nous souhaitons frustrer personne, mais nous amenons de l'information à ceux qui n'en ont pas. Parce que beaucoup de personnes connaissent ces choses, mais ne sont pas portées à les diffuser pour les motifs qu'ils souhaitent toujours faire de leur tradition une sorte de, je ne sais pas, d'exclusivité. Or, il y a une histoire, et comme j'ai l'habitude de dire, une histoire en précède toujours une autre. Et l'origine, c'est la vallée du Nil, la cuvette éthiopienne, la cuvette congolaise. Et il faut rendre, finalement, comme dirait, je sais plus, je pense que c'est le personnage de Luc de Jésus, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et César, c'est le Congo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi la colombe? Pourquoi la colombe? Parce que vous savez que dans le récit musulman ou islamique, nous avons l'araignée, mais nous avons aussi la colombe. Hein? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce récit pour être complet. Parce que j'aurais pu m'arrêter à l'histoire de David et l'araignée salvatrice, ou l'histoire de Jésus, Marie et puis l'araignée salvatrice. Mais ces récits ne parlent pas de la colombe. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi le récit de Mahomet et l'araignée salvatrice, c'est parce que ce récit est associé aussi à l'image de la colombe. Bon. La colombe se nomme Konda en Douma, qui est une langue de la cuvette congolaise. Konda, c'est le même terme que j'évoque depuis tout à l'heure. Homonyme du Bassa, Konda ou Konja, qui veut dire le siège. Donc, le symbole qui est rattaché à la reine du ciel, donc Isis. Kondji, désignant la Vierge dans la même langue, donc en Bassa. Le Kitabwa, langue du domaine congolais, Ofe, Kunda, colombe, qui est une variante de Konda. Hein? Le Bemba va dire Kunda, la colombe. Le Jévové, langue du Gabon, dira Kunda, colombe. Le Tchiluba va dire Kunda, colombier. Alors, je représente ici la scène finale du papyrus d'Ani. Au pied de la montagne, on trouve un édifice. Cet édifice, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle un colombier. C'est là où la colombe niche. Et c'est là où se trouve la fameuse colombe qu'on retrouve avec l'histoire de Mahomet finalement. Parce que le colombier, hein, ici je vous présente un colombier. Hein, cette image, cet édifice que vous voyez ici, c'est un colombier, mais c'est une tour en fait. Un colombier, c'est une tour. Donc la tour est associée à Awa, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc cet édifice représente le signe hiéroglyphique qui permet de décrire le nom de la reine du ciel, donc Hathor. Et le colombier, c'est l'endroit où nichent les colombes. Et c'est exactement le même édifice qu'on retrouve aujourd'hui dans les campagnes européennes. Allez savoir comment. Le colombier, là, c'est un édifice particulier. Hein, à l'époque médiévale en Europe, c'était les seigneurs qui avaient le droit de bâtir des colombiers parce que le colombier permettait de délimiter le territoire. Donc ce n'est pas en vain que cet édifice apparaît ici. Car, je l'ai souvent dit, je l'ai présenté dans plusieurs ouvrages, il faut savoir que la royauté européenne est d'abord éthiopienne. Les fondements de la royauté en Europe, ces fondements sont éthiopiens. C'est la raison pour laquelle on retrouve les mêmes représentations. Je ne vais pas insister parce que ce n'est pas le sujet, mais les faits ne peuvent pas avoir tort et les états d'âme ou les considérations
qui ne sont pas scientifiques, raison. Non, il faut toujours s'attacher à décrire la vérité à partir des faits. Et ce que je présente ici, ce sont des faits. Personne ne peut dire que nous avons inventé, ce n'est pas nous qui avons produit le papyrus d'Ani. Le papyrus d'Ani date d'une époque où l'Europe n'existait pas dans l'histoire. Mais il se trouve que nous avons ici représenté un colombier. Et le colombier, c'est l'endroit où niche la colombe. La colombe est associée à cette fameuse caverne, finalement, et l'araignée salvatrice. Donc, nous avons ici le même thème qui reparaît, hein, de manière tout à fait curieuse. Et nous avons naturellement une tour qui est représentée. Et la tour, c'est le symbole même de la reine du ciel. Bon. Et naturellement, Kunda, qui désigne la colombe, c'est le mot de l'amour. Hein, ça signifie amour dans la cuvette congolaise. Et c'est la raison pour laquelle, déjà reconnue même par l'égyptologie et tous ceux qui s'intéressent à ces questions, à la théogonie de l'Antiquité, c'est la raison pour laquelle Hathor va devenir Aphrodite, qui est la déesse de l'amour chez les Grecs, et puis Vénus chez les Romains. Hein? Et Vénus est attachée à la montagne, vous le savez, puisqu'on parle parfois du mont de Vénus, qui est un euphémisme pour désigner le sexe féminin, donc le pubis. Et ce pubis-là est représenté, est incarné par la montagne qui termine le papyrus d'Ani, car nous parlons ici d'une sortie, d'une naissance en réalité. C'est ça, hein? Cette liberté-là, c'est la naissance. Il faut le savoir. Bon, je ne veux pas trop développer là-dessus parce que c'est des choses que je crois vous avez pu lire dans les livres. Puisque j'en ai souvent parlé, mais tout ça est lié, il n'y a pas de coupure. Tout ça est absolument lié, il suffit d'être logique et cohérent pour arriver à des choses intéressantes. Donc nous avons ici les mots de l'amour, hein, qui sont représentés finalement par Kunda, donc le nom de la colombe, et donc le Rombo Kunda, le Muira Kunda, etc. Tout ça, ce sont des termes qui se rapportent au cierge, donc à Isis, hein. Et c'est la Vierge. Et la colombe, vous le savez, naturellement, c'est le symbole de la paix, c'est également le symbole de l'amour. Ceci n'est pas vain, tout ceci procède, hein, de ces mots issus de la cuvette congolaise, encore une fois. Bon. Alors, nous disons que Ngoglituba est fondée sur la hiérographie qui désigne la déesse Hathor. Ngoglituba est fondée sur la hiérographie qui désigne la déesse Hathor. Et si nous représentons donc la graphie qui désigne la déesse, et les symboles finalement que nous avons déjà présentés plus tôt, donc le signe au 6 et le signe au 7, respectivement traduit par château. Voilà. Donc nous avons parlé de ces signes, mais nous n'avons pas encore évoqué le visage qui accompagne le signe en question pour désigner finalement cette déesse. OK? Bon. Maintenant, nous allons donc comprendre pourquoi et quelle est l'importance de ce visage que vous voyez. Et qui est associé finalement à la déesse. Et comme j'ai dit toujours, hein, regardez, observez, et vous comprendrez. Ce n'est que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon. Le signe D2, qui présente une face en égyptien pharaonique, traduit la notion de vis-à-vis, être en face, qui se dit mbélé, front, en face, en swahili. Avec des variantes. Ici, je présente donc les variantes. Swahili, mbélé, front, en face. Kibondei, mbélé, en face. Etc., etc. Je ne peux pas tout citer. Vous lisez comme moi. C'est cela. Bon. Donc, ce n'est pas. C'est récurrent au sein des langues éthiopiennes. Hein, ce qui montre que ce n'est pas un hasard. Et vous avez le makame qui va dire mbé, en face. Le kibosho qui va dire mbé, en face. Le kikamba qui va dire mbé, en face. Etc. Ce ne sont que des variantes finalement d'un même mot. Bon. Le makame présente mbé en face. Le kibosho, mbé en face. Ambassa, mbé désigne l'utérus, la matrice, le sexe féminin. L'objet décrit par l'expression Ngoglituba, le rocher percé. Ce trou auquel s'associe le terme lituba est rendu par la porte qui paraît avec le signe O6. Donc voilà comment finalement on arrive aux considérations décrites initialement déjà par le professeur Umdigi, à savoir que Ngoglituba représente l'utérus, la matrice, la mère du monde. Donc ce visage, lorsque vous le voyez, en fait, renvoie à ce thème-là, puisqu'il se dit mbé ou mbélé au sein des langues éthiopiennes, mais qu'ambassa, mbé, c'est le sexe féminin, c'est les parties féminines. Cela est relativement clair. Voilà la raison pour laquelle nous aboutissons aussi aux considérations qui mènent au mont de Vénus,
finalement, qui est un euphémisme, comme je l'ai dit, pour les parties féminines. Bon. La porte se dit Ezibele en Lingala. La racine, c'est Bele, Mbele. C'est le même mot, la porte que vous voyez là, dans le signe O6. Donc, c'est cet édifice fortifié qui est percé d'une porte. La porte, l'entrée, se dit Ezibele en Lingala. Le Tshiluba propose Mbelu, porte, Tshibelu, porte, des variantes phonétiques d'Ikibonde, Mbele, en face. Le Douala dira Mbela, faucon, l'oiseau consacré à la déesse Hathor. Donc, bien que le faucon ne soit pas ici présent, le Douala amène Mbela pour dire faucon, ce qui montre bien la correspondance entre les noms ou les hiéroglyphies qui permettent de désigner la déesse, la reine du ciel. Hein, parce que quelquefois, comme je l'ai montré tantôt, il suffit de dessiner un faucon encadré dans le plan d'édifice pour nommer la déesse. Voilà. Enfin, c'est à partir de formes telles que le Lingala, Ezibele, porte, entrée, que s'est formé le nom Cybèle, déesse sélénique coiffée d'une tour qui représente le signe hiéroglyphique consacré à la reine du ciel. Et ici, naturellement, je présente finalement cette déesse que les Grecs vont appeler Cybèle. Il faut savoir que le nom Cybèle, c'est le Tshiluba Tshibelu, la porte. Pourquoi? Parce qu'elle est coiffée, hein, d'une tour dotée d'une porte et ou d'un mur doté d'une porte. Et ce mur ou cette tour n'est que le signe hiéroglyphique qui permet de nommer la reine du ciel, c'est-à-dire Hathor. Autrement dit, cette déesse sélénique-ci, qu'on représente aujourd'hui ou de cette manière, ou qu'on représentait de cette manière en Grèce, n'est qu'un avatar tardif, une imitation tardive de la reine du ciel, à savoir Hathor. C'est cela. Voilà. Et naturellement, elles deviennent Diane, elles deviennent Artemis, etc., etc. C'est toujours le même corpus qui est amené. Et vous comprenez maintenant, bien aisément, comment sont nées toutes ces divinités, finalement, qui remplissent ce qu'on a appelé la mythologie grecque. La mythologie grecque, hein, qui finalement n'est pas grecque. Mais on le dit comme ça, puisqu'on veut supposer un miracle. Il n'y a jamais eu de miracle grec, de miracle grec. Les Grecs se sont inspirés des traditions ancestrales des peuples éthiopiens pour produire cette mythologie qui est d'abord pélagique d'ailleurs. Et les pélages, naturellement, ce sont des Éthiopiens. Bref, c'est des choses que nous avons déjà abordées. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Bon. Maintenant, ce que je dirais, car nous acheminons vers la conclusion, c'est que la pierre, se dit Ngok en Bassa, Ngoko en Douala, offrant quelques variantes. Donc ici, nous avons par exemple le Kuba Mbok, qui veut dire pierre, le Tomba Mboko, la pierre, etc., etc., les Wondo Ngok, la pierre, le Mengis Ngok, la pierre, etc. Hein? La racine est toujours la même, la racine du mot est Ok, donc Oka, Ok. Le Bassa propose Hok, qui signifie caverne, grotte, trou dans un rocher ou dans un arbre. Ceci explique pourquoi, ici je ne l'ai pas rappelé, mais il faut savoir que chez les Fang, chez les Beti, nous avons aussi l'histoire de l'araignée salvatrice, mais qui cette fois est associée à un tronc d'arbre, qui se dit Kok au sein des langues éthiopiennes. Et un homme finalement fuyant des poursuivants se cache dans le trou d'un tronc d'arbre et une araignée tisse sa toile à l'entrée de ce trou, sauvant la vie de l'homme caché à l'intérieur du tronc d'arbre. Donc c'est toujours le même corpus qui est amené et cette relation est effective. Pourquoi? À cause, hein, de cette relation qui existe, notamment avec le Bassa, Ok, qui désigne à la fois la caverne ou la grotte, et puis le trou dans un rocher, le trou dans un arbre. Voilà. Et le terme Mboko, bien sûr, qui signifie pierre, rocher. En Tomba, c'est aussi le nom de l'hippopotame, motif pour lequel on retrouve, hein, finalement cette déesse appelée Taoret en forme d'hippopotame. Nous avons aussi le Tshiluba Tshiboko, par exemple, qui veut dire hippopotame. C'est le nom du rocher. Donc, quand on parle du rocher, disant le rocher percé, vous cherchez le rocher partout, vous ne le trouvez pas. Il faut connaître les noms. Il faut connaître les noms des objets représentés, des animaux représentés dans les papyrus pour savoir à quoi ceci renvoie. Car ces mots sont en fait sont les soutiens, hein, de développement philosophique. Donc, il faut connaître les mots pour comprendre à quoi font référence nos ancêtres, puisqu'il s'agit en réalité de mystères. On ne peut pas présenter l'araignée tout de suite parce que tout le monde comprendra de quoi il s'agit.
Donc, on masque cette image avec des images, mais il faut connaître les noms des objets représentés pour savoir que finalement tout ceci pointe vers l'araignée salvatrice. C'est clair. Voilà. Donc, les mots de l'hippopotame sont ceux-ci, vous pouvez les lire comme moi, Taita Boko, Bende Boko, etc., etc., Liloa, Lulua, Chiboko, etc. Voilà. Le taureau tegu propose Hogo, mur. Hein, la racine, c'est toujours ok, finalement, qui désigne la caverne, la grotte en langue bassa. Variante du nyambo, go, qui désigne le mur. Le mur qui est la coiffure, finalement, de Cybèle, comme je l'ai montré tout à l'heure, auquel se joignent d'autres exemples. Nous avons le mandika. Maintenant, je parle donc de ces fameuses langues dites soudanaises, qui seraient différentes des langues dites bantoues. Mais vous voyez qu'en réalité, ce sont les mêmes mots, les mêmes radicaux qui sont sollicités pour rendre compte de la même réalité basée sur l'égyptien pharaonique Ut, donc HW. Okay, donc l'égyptien pharaonique permet en fait d'expliquer, d'amener des correspondances dans nos langues parce que c'est une écriture qui a été fondée avec ce souci de rendre compte du parler de toutes les langues éthiopiennes. Donc nous avons ici le mandinka qui va dire Kogo, le mur, Tomboso, Kogo, le mur, etc., etc., etc. Donc ces mots en fait rejoignent. Hein, le bassa ngok, le Douala ngoko, etc. Hein, parce que le Douala ngoko, c'est une métathèse, donc une inversion de phonème avec le mandinka kogo. Mais c'est le même terme. Bon. Le mur hein, qui est ici donc décrit apparaît curieusement, entre guillemets, dans la tradition musulmane. Et pour désigner quoi? Je cite ici un passage de Dictionnaire universel qui est paru en 1777, donc à la page 238. La race, donc dit ce fameux dictionnaire, pluriel du mot arabe, ors. L'un et l'autre, donc aras ou ors, désignent un lieu qui est entre le paradis et l'enfer des mahométans, c'est-à-dire des musulmans. Les uns disent que c'est une séparation qui ressemble à un voile, et les autres veulent que ce soit un mur épais et très fort. Ok. C'est extraordinaire. Les uns disent que c'est une séparation qui ressemble à un voile et les autres veulent que ce soit un mur. Si vous connaissez un peu l'islam, vous connaissez, vous savez l'importance de la race. C'est le lieu du jugement. La race, c'est le lieu du jugement dernier. C'est là où on juge les défunts. Hein, c'est ce lieu qui désigne, qui décide du destin, de la destinée post-mortem. C'est la race. Hein. Mais il faut savoir que cette race, finalement, c'est le tribunal d'Osiris. Je ne le dis pas ici parce que je n'ai pas envie de parler de notre Seigneur. Mais c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, ok? Et naturellement, vous savez que avec le tribunal d'Osiris, naturellement, Osiris est accompagné des déesses héléniques. Il est accompagné d'Isis et puis de Nephthys. Enfin, ce sont des termes grecs. Hein. Dans les livres, je présente à peu près comment est-ce qu'il faut nommer ces concepts. Car ce sont des concepts. Le terme divinité peut prêter à la confusion. Alors, Arras, pluriel du mot arabe, ors, l'un et l'autre désignent un lieu qui est entre le paradis et l'enfer des mahométans. Les uns disent que c'est une séparation qui ressemble à un voile, donc à un voile, et les autres veulent que ce soit un mur épais et très fort. J'ai déjà parlé du mur, je n'y reviendrai pas. Maintenant, pourquoi ici, nous avons ici, donc là, une évocation du voile? Et vous savez hein, que la reine du ciel, Isis, est associée au voile. Je crois que c'était dans la ville de Saïs, plusieurs auteurs en parlent, où il y avait une statue. Qui disait à peu près que nul mortel n'avait pu ou n'aura pu, ne pourra relever le voile d'Isis. Enfin, c'est des choses qui existent dans la littérature, donc il suffit de parcourir les livres qui s'y rapportent pour retrouver cette référence. Alors, la séparation, donc le voile, parce que vous savez que le texte, le dictionnaire dit que finalement, c'est ce lieu représente une séparation qui est assimilable à un voile. Qu'est-ce que c'est que ce voile? Je dis ceci. La déesse Taouret porte la coiffure caractéristique des divinités féminines de la vallée du Nil, c'est-à-dire des cornes de bovidés. Cette coiffure représente donc des cornes de bovidés. C'est à la forme décrite par ces cornes qu'on reconnaît le symbolisme auquel elles se rattachent. Pourquoi? En effet, la fourche, car il s'agit d'une fourche, se nomme Panda. Ambassa, panda, en chiluba. Le swahili propose panda, fourche, une variante phonétique du yao, mpando, le siège, qui est l'emblème d'Isis, et du bemba, mpando, qui est le siège, l'emblème d'Isis.
Le bassa dira mbando, fourchette, qui est une fourche. Le doigt là, mbando, traduira distance, séparation, issu du verbe panda, être séparé, distant, se tenir loin. Le swahili présente également panda, que les dictionnaires traduiront par monter, s'élever, faire l'ascension, et qui donne notamment mbando, ascension, une relation qui permet d'associer la scène finale du papyrus d'Ani au thème de l'ascension. Ambassa, mpanda, désigne le pagne, qui est un objet tissé, assimilable à un voile. Car, je ne l'ai pas dit ici, dans le livre, je le présente, je présente les mots du voile, de l'étoffe, parce que ceci se rapporte à l'étoffe qui est le symbole consacré donc à la divinité, donc Néter, en égyptien pharaonique. Je ne veux pas en parler ici, ce n'est pas nécessaire parce que ça nous mènerait ailleurs. Mais tout ceci est lié en réalité. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur ce fait que lorsqu'on parle du voile d'Isis, vous ne verrez jamais Isis représenté avec un voile. Le voile d'Isis, c'est ce symbole qu'elle porte sur la tête qui représente des cornes de bovidé. Pourquoi? Parce que les mots du voile ou de l'étoffe renvoient à la fourche, à l'idée de séparation. C'est pour ça que dans les développements ultérieurs, on fera une relation entre le thème de la séparation et le thème du voile. C'est cela, en réalité. Voilà. Donc, le pagne, et je termine ici en disant que le pagne est l'objet qui habille le défunt dans le rituel funéraire Bassa. Et pas seulement, mais c'est ainsi, c'est le cas. C'est l'objet qui habille le défunt. Même la momie en égyptien, en Égypte pharaonique, c'est exactement les mêmes considérations. Donc, c'est un peu ça, parce que ici, nous sommes dans un registre funéraire, mais également qui coïncide avec le registre de la naissance. Mais ceci peut paraître a priori un paradoxe, mais croyez-moi, ceci est très bien expliqué à partir des thèmes issus, donc, ou des images, ou des représentations issues de la vallée du Nil. Je ne veux pas insister là-dessus, parce que c'est des choses que j'ai déjà abordées par ailleurs. Donc, l'ascension, là, qu'on rencontre dans certaines traditions, notamment la tradition chrétienne, est décrite par la scène finale du papyrus d'Ani. Quand vous voyez cette divinité, entre guillemets, coiffée de ces cornes de bovidé, qui représentent une fourche, il faut savoir que nous sommes ici en train de décrire le thème de l'ascension, de la croisée des chemins. Parce que ici, je n'ai même pas parlé de Dinpu, c'est-à-dire d'Anubis. Parce que c'est un symbole qui est attaché à Anubis, qu'on appelle celui qui le maître des chemins. Enfin, parce que le thème du carrefour est associé à Anubis. Mais je ne veux pas parler d'Anubis ici, parce qu'il est présent dans cette image, mais on ne le voit pas. Donc, je laisse le soin, en fait, ceux qui pourront lire le texte, de saisir toutes ces choses. C'est très important, c'est très passionnant. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, le thème de l'ascension est associé, directement associé à la scène finale du papyrus d'Ani. Et vous savez que l'ascension succède l'image de la crucifixion. Je n'ai même pas parlé de la crucifixion, ce n'est pas nécessaire parce que ce n'est pas le sujet. Je voulais simplement insister sur ce que représente Ngok, l'expression Ngok Lituba. Finalement, que représente ce rocher percé? Ce rocher percé représente la Vierge elle-même qui apparaît ici deux fois, non seulement avec Taoret, mais aussi avec Hathor, car c'est une succession d'images en réalité. Mais il faut savoir que cette image renvoie au même concept qui est sollicité, à savoir la reine du ciel, la Vierge. Bon. Et naturellement, ici, je conclue avec cette image qui est une représentation de l'ascension par un peintre italien, Francisco Camillo. Et il faut savoir que c'est le papyrus d'Ani, la scène finale du papyrus d'Ani, qui donne lieu à ces représentations. Il faut le savoir, même si aujourd'hui, en considérant cette image, vous ne le voyez pas, croyez-moi, les mots qui soutiennent cette représentation sont directement issus du papyrus d'Ani, qui date de 1500 avant l'ère actuelle. À une époque où, naturellement, n'existaient pas toutes les traditions aujourd'hui qui revendiquent ces représentations, ces iconographies. En réalité. Donc moi, je voulais simplement attirer l'attention de ceux qui ont eu la patience de m'écouter sur ces faits et de vous inviter, puisque je m'adresse à vous en réalité, à la lecture de ce livre qui amènera, je n'en doute pas, des discussions intéressantes et permettra d'ouvrir des horizons. Je n'ai pas pu faire un développement
complet, parce que ce serait trop long, comme je dis, c'est un minimum 8 heures. J'ai pas 8 heures à consacrer aujourd'hui à une telle communication. Peut-être pour des conférences, peut-être ça suivra plus tard, mais en clair, c'est ça. Donc, je vous invite à acquérir ce livre pour ceux qui ont cette possibilité et d'échanger là-dessus, d'amener d'enrichir en fait ce corpus hein, et qui nous permettra finalement d'approcher un peu plus de notre réalité, j'allais dire spirituelle, notre réalité traditionnelle. Voilà. Donc, encore une fois, merci et je vous souhaite de passer donc une excellente semaine. Merci au TEP.